descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Dans Apocalypse 16, nous lirons verset 17. Le septième versa sa coupe dans l'air. Et sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombaient. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les villes s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grelons pesaient un talon tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Parce que ce fléau était très grand. Amen. Nous venons de lire deux passages. L'un parlant de la grande ville qui s'est élevée au-dessus de toutes les villes. C'est ici dans Apocalypse 16. Et dans Apocalypse 21, nous avons lu au sujet de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, cette ville dont le Seigneur Jésus, dans Jean 14, disait, chapitre 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Ici, le Seigneur nous donne une promesse, celle que nous allons bientôt voir s'accomplir. Jésus-Christ est à la porte. Il viendra nous prendre pour que nous puissions aller aux fêtes de noces. Et ensuite, il y aura l'établissement du règne. Et la Jérusalem céleste descendra sur la terre. Et remarquez qu'ici, il est dit dans Apocalypse 21, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. En ce moment, nous savons que le Seigneur est avec nous, selon qu'il est dit dans Hébreux au chapitre 2. Prenons plutôt cela dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, l'Écriture dit:
Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur étant avec eux a confirmé sa parole. Mais nous savons qu'il est avec nous sous la forme de l'Esprit. Dieu a un plan. Et ce plan, il avait conçu avant la fondation du monde. Il est dit dans Éphésiens, au chapitre 3, versets 10 et 11. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce dessein éternel, Dieu l'avait conçu avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Avant la fondation du monde, le Seigneur connaissait la fin. Et il avait choisi ceux qui seraient bénéficiaires de sa grâce. Il ne fait rien à mi-chemin. Tout était conçu d'avance. Dans Ésaïe 46, il dit au verset 10. J'annonce la fin avant le commencement. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Les arrêts de Dieu subsistent. Ésaïe 45, verset 23. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Sa parole n'est jamais révoquée. Il exécute toute sa volonté. Et Joël le dit d'une manière merveilleuse dans Joël, au chapitre 2, verset 11. Le Seigneur fait entendre sa voix devant son armée. Car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Dieu est l'exécuteur de sa propre parole. Lorsque le temps de l'accomplissement arrive, le Seigneur entre lui-même en action et tout ce qu'il a arrêté d'avance s'accomplit fidèlement. Ésaïe 25, au verset 4. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tout ce que Dieu a conçu d'avance s'accomplit fidèlement. Et au puissant de ce monde,
aux chefs militaires, aux chefs politiques, aux grands hommes d'affaires, tous ces hommes qui pensent qu'ils conçoivent des projets et qu'ils les accomplissent selon leur volonté. Dieu leur dit ceci dans Ésaïe 37, s'adressant à Sankéri, roi d'Assyrie. Verset 24, par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Le Seigneur leur répond, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que toi tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. J'ai permis que tu fasses tout cela. Mais au verset 28, mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu rentres, et quand tu es furieux contre moi, je le sais, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles. À cause de cela, mais je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Bien aimé, tout ce qui s'accomplit, Dieu le permet. Les hommes pleurent devant de grands hommes d'État qui se font assassiner ou qui se font renverser. Mais c'était des choses que Dieu connaissait d'avance. Il a permis que tout cela se réalise afin que ses desseins s'accomplissent à la lettre. Amen. Un jour, Dieu réduira à néant l'autorité des nations et il établira son règne. Apocalypse 11 nous dit, nous avons déjà vu comment dans Apocalypse 16, quand la septième coupe sera versée dans l'air, lisons cela. Verset 17, le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et Dieu se souvint et Dieu donna. Dieu se souvint, t'as pas besoin de lire. Et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Lorsque le temps de Dieu arrivera, le monde se fera lapider comme une vulgaire prostituée. Verset 20, toutes les villes s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grelons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette.
Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Un jour, l'ordre mondial sera complètement renversé et Dieu établira son ordre sur la terre. Il y aura son règne qui sera établi, le règne du Fils de Dieu, le règne du Seigneur. Il sera là en tant que fils de David. Et c'est ce que nous venons de lire ici dans Apocalypse 11 au verset 15. C'est pour ce temps glorieux, pour ce royaume que nous sommes là. N'avons que le règne du Seigneur ne puisse venir sur cette terre. L'Écriture dit dans 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Non, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quand il accomplira sa promesse, il y aura une destruction qui devra arriver. Et lui ne veut pas que les hommes soient détruits. Mais il connaît les siens. Il veut que ceux-ci arrivent tous à la repentance. C'est pour ça qu'il use de patience envers nous. Mais sa promesse s'accomplira au temps marqué. Et nous savons tous que dans Habacuc il est dit, au chapitre 2, que c'est une promesse, une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Si elle tarde à venir, attends-la. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc le temps est déjà fixé, mais il use de patience envers nous. 2 Pierre 3 dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Voilà ce qui va arriver à la terre et les œuvres qu'elle renferme avant que le règne du Seigneur ne soit établi sur cette terre. Il faudrait quand même qu'une purification s'accomplisse, puisque tout cela est en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Il y a une ruine qui attend le monde. Et l'Écriture nous dit dans 1 Thessaloniciens, on vient de nous l'annoncer ici. Dans 1 Thessaloniciens, il nous est fixé le temps où cette ruine va venir. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. À quel moment? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Non, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Amen. Parce que nous sommes des enfants de la lumière, nous connaissons les temps et les moments. C'est Ecclésiaste qui dit cela.
Il pose une question et il y répond. Verset 5 et Ésaïe 8. Venons au verset 5. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? Il n'y en a qu'un seul qui peut le lui dire. C'est celui qui connaît la fin avant le commencement. Et c'est le Seigneur Dieu. C'est comme ça qu'à nous il nous est dit. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. La parole est venue et elle nous fait connaître les temps et les moments. Dans ce passage que nous venons de lire dans le livre des Thessaloniciens, il nous indique clairement que c'est lorsqu'il y aura un semblant de paix et de sûreté dans le monde que cette ruine soudaine va venir. Jusqu'à présent, les gens font des réunions et des conférences de paix pour mettre fin à toutes les guerres. Ils veulent la sécurité. Tous les gouvernements qui passent par de la sécurité des biens et des hommes. Et ça, c'est dans le monde entier. Tout le monde parle de sécurité des biens et des personnes. Mais un jour, ils arriveront à un semblant de paix. Sur la surface de la terre, ce sera comme si toutes les armes se seront tues. Les hommes pourront même croire qu'ils n'ont plus besoin d'armes. C'est alors que lorsqu'ils diront paix et sûreté, vous voyez qu'une ruine soudaine fondra sur eux. Maintenant nous allons vers ce temps là voyons comment dans le monde entier ils veulent mettre la fin à la guerre. Aujourd'hui ils utilisent les armes pour combattre pour la paix. Aujourd'hui, quand il y a une guerre, il y a un conflit dans le monde, ce n'est plus un problème national. Ça devient un problème international. Chaque fois qu'il y a les armes qui crépitent, c'est l'ONU, c'est le monde entier qui s'en mêle. Ils veulent absolument parvenir à cette étape. Ils veulent parvenir à dire paix et sûreté. Lorsque nous voyons ces choses arriver, le Seigneur nous dit dans le 21, relevez votre tête car votre délivrance approche. Il n'a jamais été dit dans les Saintes Écritures que la paix viendra par des négociations. Non, dans Michée au contraire, l'Écriture nous dit comment viendra la paix. Nous sommes dans Michée 5. Regardez, il est dit au verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Nous savons que ceci concerne la naissance du Messie. Et nous savons qui est le Messie, c'est le Seigneur Jésus. Au verset 4, il est dit, c'est lui qui ramènera la paix. Amen. Lui, il ramènera la paix. Parce qu'il est dit de lui dans Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe chapitre 9.
Regardez au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ceci s'est accompli avec la naissance du Seigneur, et la domination reposera sur son épaule. Regardez comment l'écriture est claire. L'enfant nous est né, mais la domination reposera un jour sur son épaule. Nous savons que c'est lui, mais un jour il règnera. Paul dit dans le livre des Hébreux que toutes choses lui soient soumises. Nous ne le voyons pas encore. Et cependant, un jour nous le verrons. Il ajoute en disant, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Lui donnera à l'empire de l'accroissement et il donnera une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Amen. C'est lui qui ramènera la paix et toutes les négociations que les hommes font pour la paix ne servent absolument à rien. Mais pour nous, lorsque nous voyons cela, nous comprenons que tout ce que Dieu avait résolu, il l'accomplit pas à pas. Regardez autrefois, la paix, conférence de paix, c'était d'abord en Europe dans les années 70. Ils ont commencé avec le grand Kissinger. C'était la paix en Europe. Conférence de paix entre l'Union soviétique et les États-Unis. Puis petit à petit, ça s'est étendu dans le reste du monde. Puis c'est venu en Afrique. Et maintenant, le monde entier a tourné ses regards vers Jérusalem, vers Israël. Ils veulent absolument que la paix soit là. Même Israël veut la paix. Au point que lorsque chaque fois que Isaac Rabin fait un discours, le mot paix ne manque jamais. Cette phrase qu'il répète tout le temps, nous en avons assez, il y a trop de sang qui a été versé. Il répète cela tous les jours. Nous voulons donner un meilleur avenir à nos enfants. Mais qui a prévu un meilleur avenir pour Israël? Jérémie chapitre 29. Là, le prophète, reprenant ce que le Seigneur lui dit, dit au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce n'est pas Rabin, ni les États-Unis, ni l'ONU, qui vont donner un bon avenir aux enfants d'Israël. Mais c'est le Seigneur. Mais Israël étant aveuglé, 1 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, l'Écriture dit 2, verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ce voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Vous saisissez? Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque les deux prophètes apporteront la parole là-bas, et que leurs cœurs se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté et ils reconnaîtront la manœuvre de l'Antichrist. C'est alors que celui-ci mettra fin à son alliance au milieu de la semaine, de la 70e semaine de Daniel, et il attaquera Israël. C'est ce que nous lisons dans Daniel 9, 27b, la deuxième partie du verset 27. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice
Et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Par les alliances qu'Israël cherche à conclure en ce moment, ils croient obtenir la paix. Mais il y a des temps fâcheux qui sont devant eux. L'Écriture dit dans Daniel 12, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef. Le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque. En ce temps-là. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Chaque fois qu'Israël pense. Aller vers la paix, ce sont des jours fâcheux qui se présentent devant eux. L'histoire se répète. En 1933, alors que ce nazi était déjà là, Hitler était là, c'était en 1933, je pense, et il était déjà là en Allemagne. Le monde entier voyait qu'il conduisait le monde vers la catastrophe. Mais il voulait la paix. Alors le premier ministre britannique Chamberlain de dire un jour, paix en nos jours. Ce n'était que quelques jours après que la première attaque contre les Juifs fut déclenchée. Des milliers de Juifs furent mis à mort. Leur magasin, leur échoppe fut brûlée. Leur commerce fut détruit. Et c'est à ce moment-là que commença la grande persécution contre ce peuple qui s'acheva avec les camps de concentration. Mais en ce temps-là, c'était encore la douce main de Yahvé. Après la guerre 40-45, que la Société des Nations s'est réunie et qu'elle a dit il faut donner à Israël une terre. Bon, mais voilà, en Palestine, il y a déjà des Palestiniens qui ne veulent pas. Ils leur ont proposé une terre en Afrique. Et les Juifs qui connaissaient les Écritures savaient que le Seigneur avait promis dans Jérémie 31 celui qui vous a dispersé vous rassemblera. Il savait cela. Et il savait comment il devait revenir. Prenons cela dans Jérémie 31, verset 10. Nation, écoutez la parole du Seigneur et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Est-ce que vous saisissez? Eux qui connaissaient l'Écriture, ils ont dit le temps de Dieu a sonné, nous retournons à Sion pour leur proposer l'Afrique. Ils ont dit non. Retournons à Jérusalem. Amen. Et les sociétés des nations ont dit, on va vous donner une petite portion en Israël. Ils ont dit, ce n'est pas un problème. Si nos pieds sont à Jérusalem, Dieu nous bénira. Et ils ont frappé de toutes parts. Et aujourd'hui, ils occupent Israël. C'est le lieu que Dieu leur a donné. Est-ce que vous saisissez? Quand les hommes parlent de paix, ils veulent faire leur paix. Et comme nous l'avions entendu dans les jours passés, Israël ne comprend pas. Il a signé des traités de paix avec l'OLP. Il a encore signé des accords avec la Jordanie dernièrement. Maintenant, ils veulent le faire avec la Syrie, ils veulent le faire avec tous les pays arabes. Ils ont à leur tête cet homme appelé Pérez, qui n'est là que pour diviser le territoire que Dieu a donné à Israël. Ils font tout cela parce que Dieu n'est pas encore entré en scène. Dieu a encore son regard sur les nations.
de avant toute grande action de Dieu, il y a un moment où le peuple doit se retrouver acculé. Israël va passer par des temps douloureux avant que le royaume d'Israël soit rétabli. L'église épouse aussi va passer par des moments assez difficiles, des moments qui dont déjà maintenant nous voyons les bases être jetées. Mais quand cette persécution viendra, c'est alors qu'une puissante action de Dieu sera aussi manifestée. Lorsque les problèmes viennent, nous ne sommes pas embêtés. Pourquoi? Comment connaîtrons-nous que le Seigneur est un grand vainqueur? Si nous n'avons jamais eu des batailles, plus petite est la bataille, plus petite est la victoire, et plus petite est le déploiement de la puissance du grand vainqueur. Grande est la bataille, grande est la victoire. Quand les problèmes arrivent, mais ne vous troublez point. Comment rendrez-vous témoignage qu'il est le grand vainqueur? Laissez les problèmes venir, regardez et dites-le, observez. Et vous verrez la délivrance que Dieu va produire. C'est ce que Moïse leur a dit. Notre Dieu est formidable. C'est un grand stratège. C'est un grand général. Amen. Quand il voulait faire sortir Israël d'Égypte, il aurait pu les faire passer là où il y avait, on passait à pied. Non, il les a conduits vers la mer Rouge. D'un côté les montagnes, devant la mer, derrière le désert, tous des éléments infranchissables. Et derrière eux, l'armée de Pharaon, ils étaient dans un cul-de-sac. Pas moyen de faire la bouche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Mais il y en a un qui fait la brèche. C'est Michel 2 qui nous le dit. Quand Pharaon a regardé ça, il a dit, mais leur Dieu est un piètre stratège. Il ne sait pas comment diriger le combat, mais il ne savait pas qu'il avait insulté le Dieu très haut. Il ne savait pas que Dieu avait prévu ces choses d'avant. Et qu'en ce jour, il les accomplissait. Alors, là où il n'y avait pas de chemin, Dieu a frayé le chemin. Quand vous saisissez, quand tout est impossible, c'est alors qu'on se frotte les mains. On dit maintenant, Dieu va entrer en action. Moi je ne saurais pas. Oh Dieu, ainsi, tu es le Dieu de ma délivrance. Est-ce que vous saisissez ça? Quand le problème devient grand, on se réjouit. Quand le peuple devait rentrer pour rebâtir le temple, les nations se sont levées et ils ont dit, vous ne bâtirez plus. Et les rois ont écrit qu'ils ne bâtissent pas. Alors la parole sortit. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Est-ce que vous saisissez? Toute grande montagne sera aplanie. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu très haut. Satan est haut. Et il monte. Il dit, je mets les bras au-dessus de toutes les étoiles. Mais il y a un Dieu qui est très haut. Il nous emmènera là. Avez-vous saisi? Nous sommes un peuple très haut. Parce que notre Dieu est très haut. Il dit dans Esaïe 43, tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré à mes yeux. Saisissez-vous cela?
On ne nous connaît pas au Mongaliema. Est-ce qu'à Washington, on vous connaît? Déjà, si vous voulez vous déplacer, parfois dans un taxi, vous voulez monter, ça vous est déjà arrivé, ou dans un taxi bus, il y a un militaire qui vient, il dit, je suis pas équitable. Il ne vous connaît pas. Mais si nous ne sommes pas connus ici, il y a un lieu où on nous connaît. Vous savez, les Aïrois, les gens même appellent cela l'influence. Non, influence. Je répète simplement le mot. C'est un mot français qu'ils ont interprété en italien. C'est toujours. Me connais-tu? Oui, oui, d'accord. Tu sais de qui je suis le frère? Alors quand il te cite un mot avec des boucles, ah! Quand il te cite le nom d'un général, c'est tout le monde qui tremble. Mais nous avons un frère. Nous avons un frère que tous les démons connaissent. Il y a deux noms que le diable n'aime pas. Il n'aime pas le nom de Jésus. Il n'aime pas le nom de Golgotha. Parce que Jésus est le nom de celui qu'il a vaincu. Et Golgotha, c'est le lieu de sa défaite. Alors il n'aime pas ça. Toujours Golgotha. Mais oui, rappelez-le lui. L'écriture dit dans les psaumes. Publiez les hauts faits de notre Dieu. Quel est le plus grand haut fait qu'il en met? À Golgotha, il a écrasé la tête du serpent. Et trois jours après, il est ressuscité. Il dit, mais venez, je suis vivant. Pourquoi avez-vous peur de la mort? Il y en a un qui a vaincu la mort. Et il a dit, écoutez ce qui est formidable. Parce que j'ai vaincu. Mais vous aussi, vous allez vaincre. Il a dit simplement, parce que je vis, vous vivrez. Vivras-tu? Oui. Pourquoi? Parce qu'il vit. Pas parce que je suis digne, mais parce qu'il vit. Alors nous aimons chanter. Vivant, vivant. Et mon sauveur. Vivant pour toujours. Et il a dans son amour versé son sang pour moi. Voilà pourquoi nous chantons Alléluia. Vous vous saisissez. Les épreuves ne sont là que pour démontrer combien le Seigneur est grand. On n'a pas peur des maladies. Mais laissez-les venir. C'est pas un problème. Mais quand elle est là, vous pouvez être certain qu'elle ne restera pas longtemps. D'ailleurs, quand la maladie veut vous amener à la mort, là, elle est obligée de vous lâcher. Elle ne saura pas vous suivre plus loin. Parce que nous, quand nous mourrons, mais nous allons auprès du Seigneur, nous vivons. Il est obligé de nous lâcher. Il n'y a aucun adversaire qui sera capable de nous retenir longtemps. Non, c'est pas vrai. Il te tiendra quelques jours. Mais un jour, il sera obligé de te lâcher. Alors tu te retourneras et te dis, oh maladie, où est ta force? Où est-elle? Elle n'en a pas. Évidemment, on n'a pas de force contre nous. D'ailleurs, mourir est un gain. Ah, mais oui, mourir est un gain. Où voulez-vous être? Plus près du Seigneur, vous restez ici. Mais la chose est claire, c'est trop près du Seigneur. Alors quoi avez-vous peur quand vous rencontrez les bandits? Il vous aide à vous rapprocher du Seigneur. De toutes les manières. S'il vous met à mort, il vous rapproche du Seigneur. S'il vous fait souffrir, il vous rapproche du Seigneur. S'il vous laisse tranquille, il vous rapproche du Seigneur. Car tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand un homme a la révélation de ce petit verset, alors chaque fois qu'on lui pose une question, il répondra toujours pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Sauf que tu considères être un problème, c'est un gain pour moi. Frère, il a fait ceci, il n'y a pas de problème.
On a brûlé ma maison. C'est un guerre. Voyez-vous cela? Il y a un jeu ici qu'on appelle Kipergal. Celui qui perd, c'est celui qui gagne. Et c'est ça que les hommes ne comprennent pas. Ils veulent gagner le monde. Mais nous, nous cherchons à perdre le monde. En perdant, nous gagnons. Vous n'avez pas encore réalisé la chose. Mais il a dit dans Matthieu 16, celui qui perd sa vie, mais il la gagnera. Mais que te sert de gagner le monde? Il vaut mieux perdre ta vie. Quand on a la révélation de des promesses divines, nous sommes des hommes nouveaux. Nous sommes vraiment transformés. Regardez l'exemple d'Élisée avec Géasi. Vous lirez ça dans le deuxième livre des Rois. Cette armée syrienne est venue pour arrêter cet homme de Dieu. Géasi est venu effrayé. Seigneur, ils ont trouvé la ville. Piège. Juste à côté. Les balles crépitaient. Ça, c'est pendant les pillages. Et les gens se terraient sous les lits. Quand Géasi est venu, il a dit, Seigneur, ils ont envahi. Et ils te cherchent. Par où allons-nous fuir? Élisée était très calme. Peut-être qu'il lisait, peut-être qu'il se reposait, peut-être qu'il priait, je ne sais pas. Il a simplement dit à Géasi, mais ceux qui sont avec lui, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Non seulement ils sont plus nombreux, mais ils sont mieux armés. Est-ce que vous saisissez? Vous savez, quand on a un garde-corps et il a un revolver et tu entends dehors, ce sont des mitraillettes. Tu regardes son petit revolver. D'ailleurs, lui-même va jeter son revolver. De peur qu'on le voyait, le surprenant, on lui fasse du mal. Mais l'armée qui protégeait Élisée avait des épées de feu, des chars de feu, des l'armée qui nous protège est plus nombreuse que la l'armée. Vous les hommes de Dieu, vous êtes toujours comme ça. Je sais que Dieu nous protège, mais ils sont là. Je sais que Dieu nous protège. Mais ils sont là. On peut quand même entrer sous le nez. Si la balle veut te suivre sous le nez. Mais elle t'atteindra. Est-ce que vous comprenez? Elle t'atteindra. À quoi ça sert toutes ces choses? Pourquoi t'effrayer à ce point? Élisée simplement dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand le Seigneur a ouvert les yeux à Géasi et qu'il a vu les montagnes, rempli de l'armée céleste, quand il a vu le nombre, il a vu leur éclat, il a regardé l'armée syrienne, il a ri, il est rentré s'asseoir. Pourquoi? Il avait vu. Mais Dieu nous a aussi donné des yeux pour voir. Si tu peux voir et connaître celui en qui tu as cru, mais tu te sentiras d'ici transformé. Tous tes problèmes seront terminés. Ta maladie n'aura pas de valeur. Tes difficultés, mais tu vas les enjamber. Parce que tu comprends, si tu réalises qui est celui en qui tu as cru et quelle est la position qu'il t'a donnée, mais tu feras comme Géasi. Tu varies. Je dis, j'étais bête. C'est parce qu'on ne voit pas. On est limité. On n'a pas la révélation.
La révélation, nul ne peut vous la donner. C'est Dieu qui la donne. Alors prions et disons, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Donne-moi la révélation. Alors je saisirai la grandeur de ton amour. Je saisirai ta grandeur. Et je saisirai la position que tu m'as donnée. C'est ce que le Père Branham disait. Lorsque l'Église connaîtra sa position, elle ira dans l'enlèvement. Amen. Amen. Lorsque l'Église saisira sa position, regardez que nos problèmes cessent, nos maladies cessent, nos difficultés, nos soucis, inquiétudes et angoisses cessent lorsque nous réalisons un, la grandeur de celui qui nous a aimés, et deux, ce qu'il veut faire de nous. Quand tu réalises ça, tout se tait. Tant que ça ne se tait pas, c'est que tu n'as pas bien vu quelque part. Tu crois avoir vu, mais tu as vu avec ton intelligence. Parce que si tu le saisis par révélation, et dans le cœur, ça s'arrête. Parce que la foi n'échoue jamais. Or, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu, et c'est la révélation de la volonté de Dieu. La foi n'échoue jamais. La foi est toujours victorieuse. Regardez l'histoire de Moïse. Quand il était jeune, fort, il a tué un homme avec un coup de poing. Un Égyptien, il lui a réglé son compte. Un coup de poing, l'homme était mort. Il va dans le désert, fouillant devant l'armée de Pharaon. Une bande de brigands attaque ces jeunes femmes pour leur empêcher de nourrir leur troupeaux. Cet homme s'avance seul face à tous ces brigands et il les a tous mis en fuite. Quelle force prodigieuse il avait! Il était très fort, très intelligent, mais il a fui devant l'armée. Il revient 40 ans plus tard. Dieu, les cheveux blancs, roulant, et se tenant sur un bâton, il dit à son beau-père, je rentre en Égypte. Il dit, mais tu sais qu'il y a un mandat d'arrêt contre toi. Il dit, oui. Tu sais que la peine de mort t'attend. Il dit, oui. Il dit, mais tu rentres quand même. Il dit, pourquoi? Il dit, mais je vais libérer le peuple. Comment? Il dit, Dieu l'a dit. Amen. Mais qui va t'accompagner? Il est avec moi. Amen. Mais qu'est-ce que tu as pour... J'ai ce bâton. Hein? C'est avec ce bâton que tu vas fendre les boucliers. Tu vas fendre les casques. Tu vas mettre cette armée de plus de 2 millions de personnes en fuite. Il dit, avec ce bâton, je mettrai toute cette armée en fuite. Pourquoi? Il n'avait pas besoin de comprendre. Il n'avait pas besoin de voir. Il avait besoin de savoir et de croire que celui qu'il avait envoyé était avec lui. C'est tout ce dont il avait besoin. Il dit, mais si tu nous envoies, alors dis-nous qui viendra avec nous. Si toi tu viens avec nous, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous saisissez? Notre combat consiste à savoir si Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, dans ce que tu fais, tu es fort. Rien ne pourra te renverser. Tu es un homme qui sait. Comme ça que Paul, devant la mort, il lui dit, mais mort, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je suis un envoyé du Seigneur. Paul ne tremblait pas en prison. Quand il avait demandé
d'aller devant César. Il n'avait pas peur pour le mettre à mort. Le Seigneur lui avait dit, tu témoigneras devant plusieurs peuples. Tu témoigneras devant César, devant tous ses rois. Et il avait compris qu'il fallait qu'il demande d'être jugé par César. Est-ce que vous saisissez? Lorsqu'un homme reçoit la révélation, toute sa vie change. Ses désirs changent. Ses ambitions changent. Sa nature change. Il ne peut plus se mettre en colère comme avant. Il ne désira plus amasser l'argent comme avant. Il ne va plus désirer courir la rue, aller danser, pour chercher les petites femmes. Les femmes se mettre à moitié nues pour être aimées des hommes. Non, ils ne chercheront plus cela parce qu'ils voient les choses différemment. Est-ce que vous saisissez? Si lorsqu'un homme s'avance devant vous, je donne un exemple, vous voyez un homme bien habillé, propre et tout. Bref, tout ce qu'il y a de plus honorable. Mais si vous pouviez en même temps voir qu'il était animé de 1000 démons différents, vous aurez de la frayeur. C'est parce que vous ne voyez pas tous les démons qu'il anime que les femmes se laissent séduire. Elles ne voient pas quels sont les démons qui animent cet homme. Cet homme ne voit pas quels sont les démons qui animent cette femme. C'est les démons qui sont dans cette femme. Sont le type de ceux qui étaient dans Jézabel, Atali et compagnie. Mais il ne voit pas, cet homme ne voit pas ça. Et il est là, comme une vache venue à la boucherie. C'est le proverbe qui dit ça. Il dit, je viens de ces jeunes hommes stupides. C'était au crépuscule. Il marchait le long du mur. C'était à la tombée de la nuit. Vous avez déjà remarqué que la nuit, tous les arbres sont noirs. Vous avez déjà vu ça, hein? Ah, oui, c'est ça. La nuit, même toutes les femmes deviennent belles. Surtout quand il y a ces lumières rouges, vous ne voyez absolument rien. Ah, il était au coin du mur. Et il s'avançait. La Bible dit, et je le vis. Je regardais par la fenêtre. Vous allez lire ça dans les proverbes. Je le vis s'approchant de cette femme à la mise de prostituée. Mais il y a une mise pour les prostituées. Et là, il y a une mise pour les filles de Dieu. Pourquoi vous, filles de Dieu, allez-vous vous habiller comme les prostituées? Pourquoi? Elles le font à cause de l'esprit qui est sur elles. La Bible dit, elle s'approcha de lui. T'en es affronté. Et le saisit. Et l'entraîna par des paroles mielleuses. Savez tout homme. Si on lui dit, il n'y a aucun homme comme toi. Vous pouvez tout obtenir. C'est ça l'homme. Si on lui dit, toi, il est un, il fond. C'est comme un bloc de glace devant un soleil. Il va prendre. Bien, moi. L'homme. C'est comme ça qu'il est. Tu t'imagines que parce que toi tu as cru, il va te tenir au coin de rue. Viens, tu vas mieux m'expliquer ça. Je ne veux pas savoir ce qu'il adviendra de ta vie. De ta vie. C'était l'un de ces jeunes hommes insensé. Il n'avait pas compris. Mais si vous pouviez au même moment, Dieu vous ouvre les yeux et vous voyez tous les mauvais esprits qui sont là, ces dieux que vous trouvez beaux vont devenir horribles. Cette femme que vous trouvez attrayante deviendra affreuse. Et celle que vous trouvez gentille deviendra la plus furieuse, méchante et effroyable de personnes que vous n'avez jamais.
Mais l'homme ne comprend pas cela. La femme ne comprend pas cela. Elle ne saisit pas qu'il faut que Dieu lui ouvre les yeux pour voir. Tu n'as pas d'argent, mais tu passes ton temps à regarder les belles voitures. Qu'est-ce que tu vas faire? En plus, tu es sans travail. Hein? Tu as vu la dernière Mercedes? Mais comment se fait-il? Ces choses parfois nous dépassent. Mais qu'est-ce que nous essayons de montrer? Que quand Dieu avait ouvert les yeux à Géasi, il a réalisé la position qu'occupait Élisée par rapport au Seigneur et la protection que le Seigneur lui devait à cause de cette position justement. Est-ce que vous saisissez? Quand nous regardons les prophéties bibliques s'accomplir, nous l'avons entendu au sujet d'Israël. Nous comprenons que par l'établissement des relations diplomatiques, la voie est ouverte pour que l'alliance d'une semaine soit conclue entre le Vatican et l'État d'Israël. Au sujet de Jérusalem. Regardez, ils avaient commencé pour rendre les territoires occupés. Mais depuis quelque temps, tout le monde a les regards tournés vers Jérusalem. Dans le livre de Zacharie, l'Écriture dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. C'est Zacharie au chapitre 12. Je ferai de Jérusalem, voici verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Cette alliance sera conclue entre l'Antichrist et Israël au sujet de la ville sainte, et ils ont déjà des rencontres au sujet des droits que les droits religion sainte, comme ils les appellent monothéistes, donc les droits de ces trois religions sur Jérusalem. Regardez que la chrétienté, le catholicisme, ils ont Lourdes, Fatima, les Kimbangwis, Onkamba, partout ils ont un point. Ils ne pensaient pas à Jérusalem. Les Arabes, ils avaient la Mecque et Médine. Mais les Juifs sont les seuls qui ont toujours eu Jérusalem. Mais voici que subitement, tous veulent quelque chose à Jérusalem. Dans les accords entre Israël et l'OLP, en 3 ans, ils devaient commencer les entretiens sur Jérusalem et les accords devaient être conclus en moins de 2 ans. Mais une année à peine ne s'est pas encore écoulée qu'Arafat commence à faire du bruit au sujet de Jérusalem. Et Rabin lui répond d'une manière très simple. Il dit, nous ne discuterons pas sur Jérusalem. Et si nous devons parler sur Jérusalem, on doit séparer les problèmes politiques des problèmes religieux. Ah, Rabin montre déjà que les entretiens que nous aurons sur Jérusalem seront d'ordre religieux. Et avec cela, il confirme que cette alliance sera conclue avec l'Antichrist. Et au cours de cet accord, c'est là qu'il sera permis à Israël de rebâtir le temple de Salomon pour qu'il puisse recommencer le sacrifice perpétuel qui avait été détruit lors de la destruction du temple. Ils recommenceront le sacrifice perpétuel après avoir rebâti le temple en son lieu, en son emplacement original.